week-end, 18h-19h, l'invité de Pascal Maigre sur RFM. Bonjour, ravi de vous retrouver comme tous les samedis et dimanches à 18h sur RFM. Notre invité aujourd'hui est Laurent Lafitte. Laurent, bonjour. Bonjour. Alors, dis donc, sélection à Cannes, c'est pas rien. Oui. Ah, c'est chic, même. C'est très très chic. L'Origine du Monde, ça sort mercredi, sur tous les bons écrans. Mercredi 15 septembre. 15 septembre. Mmh. L'Origine du Monde, un drame qui fait rire ou une joyeuse métaphore? Un drame qui fait rire. Bon. Voilà. c'est toujours plus drôle, les drames. C'est vrai qu'on rit pas sur le bonheur, en fait. Ben non, c'est pas très drôle. C'est pas drôle. Mais non, ou ce qui serait drôle, c'est de faire des gens qui sont en plein bonheur, mais qui se font chier, peut-être. Enfin, en tout cas, on est toujours obligé de trouver un axe un peu sombre. Ouais. Alors, c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre. C'est ça. Et c'est la première fois que vous réalisez. Oui, c'est ça. C'est l'adaptation d'une pièce de Sébastien Thierry que j'avais découverte au Théâtre du Rond-Point, mis en scène par Jean-Michel Ribes, il y a 8 ans, je pense. Et j'avais pas ri comme ça depuis très 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 longtemps. D'accord. Et puis la pièce est restée en tête et j'ai commencé l'adaptation presque malgré moi, en fait, en réfléchissant, en essayant de décortiquer pourquoi ça m'avait autant fait rire. J'ai commencé à voir ce que je pouvais rajouter, ce que je pouvais enlever, ce que je pouvais modifier. Et au bout d'un moment, c'était une évidence, il fallait que j'en fasse un film. C'était des images de cinéma qui me venaient. Donc voilà, j'ai décidé que ça allait être mon premier film. On fait une pause à Grégory Lemarchal, écrit l'histoire et on retrouve Laurent Lafitte et on parle de l'origine du monde. Laurent Lafitte est notre invité aujourd'hui. Il est à l'affiche et il a réalisé, c'est son premier film en réalisation évidemment, un film qui sort mercredi qui s'appelle L'origine du monde. Le pitch... C'est quand même compliqué à raconter, quand même. Oui, c'est pour ça que je ne... pitche pas. Je ne pitche pas le film. Il a honte. Non, j'ai pas honte. J'aime bien vous laisser vous démerder. Généralement, les journalistes toujours super embarrassés. Mais non, c'est tout à coup un monsieur qui se réveille un matin, il a une vie un peu... Il se fait chier. Tout va bien, mais il se fait chier. Oui, ah oui, c'est une réussite sociale. Oui, il a coché toutes les cases. C'est une réussite sociale, mais il s'ennuie. Et un jour, il se rend compte que son cœur ne bat plus. Voilà. Et donc, il va voir le gourou de sa femme, qui est une dame, et qui lui explique qu'en fait, le seul moyen de le sauver, il a 3 jours pour ça, il faut qu'elle voie le sexe de sa mère. Il faut une photo du sexe de sa mère. Et donc, le film, il y a 3 jours, pour essayer de prendre en photo cette pauvre vieille dame qui ne demande rien. Qui a 82 ans et à qui il ne parle plus depuis des années. Des années, voilà. Donc, il va entraîner Vincent Macaigne. Qui est le meilleur ami. Voilà, le meilleur ami. Vétérinaire. Vétérinaire. Et qui va, voilà, il va mettre en place des stratagèmes pour obtenir cette photo. D'avoir cette photo. Vous en êtes super bien sorti. Je vous remercie. Ouais. C'est parce que ça vous choque pas, c'est pour ça. Karine Viard, Nicole Garcia, Vincent Macaigne ou Hélène Vincent? Alors c'est les quatre avec vous, voilà, à l'affiche. Alors Karine est toujours formidable, évidemment, votre femme. Mmh. Bah oui, on dit évidemment, mais parce qu'on est habitué, mais c'est quand même exceptionnel, cette régularité quand même. Elle est complètement perchée, très très drôle. Ouais, très drôle, très autoritaire, en même temps très aimante, elle adore son mari, elle va vraiment tout faire pour le sauver, quoi. Et en même temps, elle vit ailleurs, quoi. Elle est dans son petit monde, ouais. Alors, le copain est génial, c'est Vincent Macaigne. Alors, il est incroyable. Ouais, il est assez méconnaissable. Ouais, on s'est amusé à trouver un look à son personnage qu'il change de d'habitude, quoi. Les cheveux rasés de près, les cheveux plaqués, la petite veste barbour, un peu aristo, comme ça. Nicole Garcia, complètement barrée en gourou, mais elle fait presque peur. Elle fait un peu peur, mais elle a le savoir. Ouais. Et elle réussit son coup, quand même. Elle est impressionnante. Et enfin... Oh, alors, elle est géniale dedans. La pauvre, c'est la maman de 82 ans. Hélène Vincent, qui est formidable. Ouais. Elle est à hurler de rire. Ouais, hurler de rire. Ouais, elle se retrouve vraiment dans des situations pas possibles. Et c'est assez émouvant, presque, de voir une actrice de cette trempe qui a déjà ce parcours s'amuser comme ça, avec des situations qui sont sans limite, quoi. Et on sent qu'elle prend du plaisir. Elle est formidable. Ouais. Réalisateur, c'est passionnant, lourd ou compliqué? Passionnant et compliqué, lourd non, j'ai jamais trouvé ça lourd, compliqué... Ça prend quoi, un an de vie quoi, non? Ah ouais, facile, ouais, plus même. Mais c'est passionnant parce que j'ai retrouvé un désir, en tout cas un fantasme de gamin que j'avais quand je voyais des films. C'est-à-dire qu'on imagine des choses et puis d'un coup, comme un jouet, quoi, ça devient réel. Tout ce qu'on a imaginé, les décors, les costumes, les acteurs qu'on a projetés sur chaque personnage, les entendre dire le texte pour la première fois, toute l'histoire qui prend vie, c'est exaltant, quoi.
Vous êtes un réalisateur participatif ou directif ? Ben les deux, parce que là je jouais dans le film, donc j'étais participatif. Non. Mais vous comprenez ce que je dis, avec oui, les autres bien. Comme avec les autres. Bon, ben non, je suis directif. Plutôt directif, ouais. Mais pas autoritaire. D'accord. Ah, ouais. Oh. Ah bah oui, c'est pas pareil. Non, mais je sais ce que je veux et j'ai besoin de l'obtenir avant d'essayer d'autres choses. Ouais. On se fait une pause avec Queen, A Kind of Magic, et on retrouve Laurent Lafitte sur RFM. Laurent Lafitte est notre invité aujourd'hui. Il est à l'affiche d'un film qu'il réalisait. Évidemment, il est aussi à l'affiche, donc avec Karine Viard en particulier. Ça s'appelle L'Origine du Monde et c'est une comédie. Ça sort mercredi. C'est 18 mois Covid. Compliqué, intéressant, stressant ou pas si mal que ça? Alors stressant, parce que moi je peux vous dire, vous avez le masque et vous ne l'enlevez pas. Ouais, mais alors... Vous n'avez pas le choix parce que vous êtes testé en permanence, vous êtes sur des films et machin. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Beaucoup testé, je suis doublement vacciné, mais je peux quand même être positif. Et bien si sûr. Je suis positif, tout s'arrête. Ouais. Donc je fais gaffe. Mais donc stressant pour vos narines, parce qu'on passe son temps à... Oui, non, je suis habitué. C'est bon, là, ça ne vous fait plus rien. Ouais, non, ça ne me fait plus rien. Ça rend tout seul. Je suis devenu une espèce de, je sais pas, de slot du PCR. plus aucun problème de PCR. Non, il faut que je m'en rappelle parce que je oublie que je l'ai déjà fait. Sinon, cette période à l'échelle mondiale, c'est pas très grave ce que j'ai vécu, vu ce qu'on a traversé, mais ouais. Moi, ça a été très frustrant parce que mon film devait sortir, avait deux dates de sortie qui ont été annulées, le Festival de Cannes qui a été annulé. Ouais, ça n'a pas été la meilleure année pour sortir son premier film. Mais bon, je suis pas tombé malade, j'ai perdu personne dans mon entourage, donc tout va bien. Mais ça a été une période d'empêchement, quoi. J'ai pas du tout trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça... Le confinement, rester coincé de moins 3 mois. Non, ça m'a pas intéressé du tout, c'est un cauchemar pour moi, je bouge tout le temps, il me faut du mouvement, il faut que je voie mes amis, c'était vraiment désagréable, quoi. Vous rappelez-vous du moment où vous avez décidé d'être acteur ou pas ? Non, je me souviens, mais j'ai pas le sentiment d'une décision, il y a un moment où j'ai décidé de l'assumer, mais j'ai pas un souvenir de choisir ce métier, quoi. Justement, ça a toujours été une espèce d'évidence. Il y a un moment où il a fallu que je l'assume. Et voilà, donc ça, c'était vers mes 15 ans à peu près. Vous avez quitté assez rapidement les études. Oui, vous avez étudié beaucoup après, vous savez, le conservatoire et ça. Mais vous avez quitté l'école traditionnelle. En seconde. Oui. C'est quand même fou. Oui. Ben j'étais obsédé par ce métier, quoi. Et j'avais une expérience de tournage sur un téléfilm à 15 ans, et je voulais tout ce qui n'était pas, tout ce qui ne me faisait pas revivre cette expérience ne m'intéressait pas. Donc j'ai quitté les cours et je me suis concentré tout de suite sur ce métier. L'entourage. Mes parents, un peu stressé, un peu stressé, mais bon, ils savaient pas si j'allais réussir ou pas, mais ils savaient que j'allais toujours de toute façon me débrouiller. J'étais assez débrouillard et voilà. Ils se disent bon, au pire, s'il se plante, il fera autre chose, mais ça ira. On s'écoute Michael Jackson avec Remember the Time et on retrouve Laurent Lafitte sur RFM. Laurent Lafitte est notre invité aujourd'hui. Il est à l'affiche de l'excellente comédie L'Origine du Monde qui sort mercredi. La comédie française, l'idée de troupe ou la défense du patrimoine théâtral ? L'idée de troupe, oui, c'est sûr que c'est réconfortant. Ça a ses avantages, ses inconvénients aussi d'ailleurs, mais c'est quand même un endroit de... C'est un métier assez solitaire, hein, comédien. On est toujours dépendant de ce que les autres vont imaginer pour vous, vont vous proposer, quand on vous propose des choses, ou alors vous êtes dépendant de ce que vous réussissez à décrocher. C'est un métier assez solitaire. Donc là, de vivre ce métier en troupe... C'est vraiment agréable. En plus, la troupe de la Comédie française, depuis pas mal d'années maintenant, je sais pas, il y a une espèce d'état de grâce, je trouve, un équilibre entre nous tous qui rend la troupe très très forte. Et c'est vraiment intéressant de vivre cette histoire-là, cette période-là de la troupe. Après, le patrimoine, nous, on n'a pas trop une notion de patrimoine, je pense. Enfin, c'est un endroit qui n'est pas du tout muséifié, hein, c'est un endroit qui est très vivant, qui avait des œuvres contemporaines ou des relectures contemporaines des œuvres. Il y a un répertoire, mais on a plus... Quand vous jouez Shakespeare, on est quand même dans le patrimoine, même s'il est vivant. Oui, mais c'est plus de la réinvention que de la conservation. On est d'accord. Ouais. Okay. C'est plus difficile d'être acteur ou actrice ? Je crois que c'est Catherine Deneuve qui dit qu'il n'y a pas d'acteurs, il n'y a que des actrices. Oui. Et je suis assez d'accord.
Ouais. Effectivement, Catherine Deneuve, à cette question, avait répondu « Je pense que c'est un enfer pour les hommes, car c'est un métier de femme. » Absolument, c'est... Alors, je n'attendais pas du tout à ça. Très sérieux, elle m'a fait tout un quart d'heure sur Depardieu en disant « C'est une femme, en fait, faut pas... » C'est un métier sûrement assez féminin. Enfin, en même temps, dès qu'on décide que quelque chose est plus féminin ou plus masculin, j'ai l'impression que c'est qu'on l'enlève à l'autre genre, donc c'est un peu dommage. Mais en tout cas j'aime bien l'idée, moi j'aime bien cette idée là quoi, ouais. d'assumer sa féminité, c'est important, hein. Et dans ce métier là il y a souvent l'occasion de le faire. On fait une pause sur AFM et on retrouve Laurent Lafitte. C'est Laurent Lafitte, notre invité aujourd'hui. Il est à l'affiche de L'Origine du Monde, une excellente comédie qui sort mercredi. Famille, je vous aime ou famille, je vous hais ? Famille, je vous aime. Parce que dans le film, quand même, et on le plaint, quoi. C'est vraiment famille, je vous hais. Ouais, alors faut pas spoiler, mais c'est vrai qu'il y a. On spoil pas. C'est une famille bizarre. C'est une famille bizarre, mais je pense qu'il y en a beaucoup. Enfin, déjà, les secrets de famille, il y en a énormément. Ouais. Et on est au courant que de ceux qui sont révélés un jour. Hein. Donc, oui. C'est vous dire s'il y en a plus que ce qu'on croit. Ouais. Mais ce qui est intéressant dans le secret de famille, c'est de voir comment parfois ça empêche les gens, alors que par définition, ils ne sont pas au courant des événements. Et ça empêche quand même, quoi. Ça crée un nœud qui devient presque cellulaire, quoi, qui se transmet de génération en génération. Et ça, c'est un phénomène qui est assez passionnant, quoi. Et moi, mon personnage, il arrive à un moment de sa vie où effectivement, il faut qu'il connaisse la vérité. Mais il ne sait même pas que c'est une vérité qu'il doit chercher. Puisqu'au départ, sa mission, c'est juste cette photo absurde. Sauf qu'évidemment, c'est la quête qui est plus importante que l'objectif. Et c'est vrai que globalement, dans les familles, on a toujours une vision un peu idéalisée de la famille, non ? Bah oui, parce que c'est un refuge. C'est vrai que c'est à la fois un refuge et en même temps, c'est un ordre. C'est une injonction à l'amour, quoi. C'est un lien obligatoire, la famille. Et qu'est-ce qu'on fait de ce lien quand on n'a pas d'intimité, d'atome crochu, quand on se développe différemment, quand on s'émancipe de sa famille ? Qu'est-ce qu'on fait de ce lien ? Il y a toujours de l'amour et c'est presque ça qui rend les choses encore plus violentes, quoi. En psychanalyse, c'est ce qu'on appelle le premier cercle, c'est celui qui mange toujours le plus, quoi. La famille ou les amis ? Il y a Amistine Maupin qui parle de la famille biologique et de la famille logique. Et je trouve ça pas mal comme image. C'est vrai qu'il y a la famille biologique, puis il y a la famille logique, celle qu'on se crée, celle que les événements de la vie nous font mettre en place. Dans L'Origine du Monde, son pote, la vétérinaire, qui est quand même très farfelu, qui lui aussi a des problèmes, attention. Ouais, ils sont tous un peu tordus. Il est formidable, c'est le vrai ami, quoi, il va le prouver. Là. Oui, c'est le vrai pote, c'est même un peu malaisant à certains moments, parce que vraiment, il y a un côté un peu sadomaso quand même. Il a vraiment, mon personnage a vraiment le dessus sur lui. Ah, carrément, oui. Et c'est en même temps attendrissant et en même temps un peu cruel, quoi. On fait pause avec Sister Sledge, We Are Family, ça tombe bien, et on retrouve Laurent Lafitte sur RFM. C'est Laurent Lafitte, notre invité aujourd'hui, à l'occasion de la sortie de l'excellente comédie mercredi qui s'appelle L'Origine du Monde. Descartes ou Freud ? Oh, bah alors mon film, Descartes, il faudrait que je connaisse mieux que ça pour vous en parler. Freud, je ne suis pas spécialiste. Ouais, mais enfin, quand même, votre film, on est là-dedans quand même. Il est freudien. Ah, il est complètement freudien. Ah ouais, il est très très freudien, c'est sûr. Ça tourne autour de l'Oedipe, Ouais. J'ai même rajouté des séquences de rêve qui sont à hurler de rire. À hurler. Parce que le premier, on se renvoie, c'est pas que c'est là, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et on rit au moment où vous hurlez, vous réveillez. Oui, quoi. C'est ça. Oui, c'est cauchemardesque. Ah ouais, c'est en même temps onirique et cauchemardesque. Mais bon, il se réveille et apparemment, ça n'a pas été si désagréable que ça. La première fois. Donc, c'est toute l'ambiguïté de son rapport à sa mère et à sa femme à ce moment-là. Ouais. Le film est assez freudien. Ouais. Jouer un rôle, c'est l'art de s'oublier ou de se découvrir ? J'ai pas vraiment l'impression de m'oublier, moi. J'ai peut-être plus l'impression de me découvrir, ouais. En tout cas, je pense que les metteurs en scène, quand ils vous proposent un rôle, ils ont découvert quelque chose de vous que vous ne connaissez pas encore. Quand la proposition est vraiment étonnante, quoi. Mais j'ai toujours plus l'impression que c'est le personnage qui devient moi plutôt que moi je deviens un personnage. J'ai toujours l'impression que c'est dans ce sens-là que ça se fait. Ah, c'est le personnage qui s'adapte à vous et pas l'inverse. J'ai l'impression, ouais. Ouais, mais que la base. Enfin, et dis donc, vous avez quand même joué des films un peu bizarroïdes quand même. Ouais, vous jouez des personnages inquiétants. Des personnages sombres. Oui, mais il y a toujours moi dedans, je pense. Il y a toujours. S'il y a un personnage sombre, je vais mettre
je vais y mettre de moi quand même. Et je vais toujours trouver un axe qui n'est pas celui du jugement. Pour ne pas jouer ce que je pense du bonhomme, et j'essaie toujours de le sauver, quoi. J'essaie toujours de trouver un axe pour le sauver et pour pouvoir être en empathie avec lui. Bon, il y en a, c'est difficile, mais il y a toujours moyen d'en trouver. Même avec le monstrueux, il y a toujours moyen. On fait une pause, double jeu, ça tombe bien. C'est Christophe Willem sur RFM et on retrouve ensuite Laurent Lafitte. Laurent Lafitte est notre invité aujourd'hui. Le talent, la chance ou le travail? C'est les trois ingrédients, ça. Mais c'est... à quelle proportion c'est pour la recette? Bon, le talent, on va dire que c'est la base, ouais. C'est la pâte. Et puis, c'est quoi après? La chance et le travail? La chance, c'est trouver les bons ingrédients, et le travail, c'est la cuisson, quoi. Elle est nulle, ma métaphore. Mais bon, vous comprenez l'idée, quoi. Ouais, mais non, c'est un mélange des trois. Moi, j'ai longtemps été très flemmard. Et je me suis longtemps reposé un peu sur une forme d'aptitude. J'ai mis du temps à vraiment cravacher, quoi. Et après, maintenant je bosse quand il faut. Mais j'ai des grandes périodes où j'ai vraiment envie de rien foutre du tout et d'être très contemplatif. Et ça me va très bien aussi. Le talent, c'est pas aussi la capacité de faire des rencontres et de savoir les saisir? C'est un talent, ouais. Effectivement. Ouais. Il y a même des gens qui vont pas avoir un talent artistique extraordinaire, mais qui vont savoir naviguer, qui vont savoir saisir des opportunités. Et ouais, effectivement. Ouais. Le plus difficile, aimer, être aimé ou s'aimer? Bon, déjà, être aimé quand on s'aime pas soi-même, je crois que c'est compliqué. En tout cas, être aimé par la personne qu'il vous faut, c'est compliqué si on s'aime pas soi-même. Moi, j'ai l'impression d'avoir à un moment donné fait la différence entre ce que je voulais et ce qu'il me fallait. Mais ça a mis du temps. Ce que je voulais, ce que je fallais. Ah oui, c'est ouais. Le truc idéal et puis la réalité, quoi. Ce qu'on pense être ce qu'il nous faut et en fait, ce qu'on veut et ce qu'il nous faut. C'est pas forcément la même chose. Mais c'est quoi? Enfin, c'est la différence entre désir et aimer? Peut-être. Ouais, peut-être. Mm-hmm. Ouais, peut-être. Mais tout ça est lié, hein. Tout ça est lié, ça met du temps, je sais pas, non, il y a peut-être des gens qui sont complets très, très tôt, très jeunes, tant mieux pour eux, mais moi, ça a été un processus. Ouais. Être comédien, être artiste, c'est, on a envie d'être aimé quand même, quelque part, même si c'est un amour relatif, parce que le public, ouais, c'est pas... Voilà. Oui, on a envie d'être... D'amour. Ouais, alors amour, je sais pas, mais ouais, d'être compris, et d'être apprécié, d'être... Ouais, enfin, le travail. Moi, j'ai jamais l'impression que c'est ma personne qu'on apprécie ou qu'on aime. J'ai jamais cette. Je suis assez pragmatique. Je sais que je fais des propositions artistiques auxquelles on adhère ou pas, et j'espère qu'on adhère au maximum à ce que je fais. Mais je le prends pas personnellement, et je cherche pas un réconfort intime dans le succès ou dans mon travail, quoi. On va faire une pause, ah ben ça tombe bien, Let's Love, c'est David Guetta en duo avec Sia et on retrouve Laurent Lafitte sur RFM. C'est Laurent Lafitte, notre invité aujourd'hui, il réalise son premier film, dont il est à l'affiche d'ailleurs, et qui s'appelle L'Origine du Monde, une comédie formidable qui sort mercredi. Artiste engagé ou engagé dans son art? Je suis plutôt engagé dans mon art, dans le sens où je ne m'exprime pas à titre personnel, quoi, mais je le fais dans mes choix. Quand je choisis un rôle, c'est une manière de m'exprimer. Je m'exprime plus dans l'écriture. Quand j'écris mon One Man Show, quand je décide d'adapter la pièce de Sébastien Thierry ou l'émission que j'ai faite avec Zabou sur Inter, où là on écrit, donc là forcément je m'exprime plus. Mais je pense que j'ai pas envie de m'exprimer en tant qu'individu, en tant que citoyen, en mon nom propre, quoi. Ça m'intéresse pas tellement, et j'ai l'impression que ce sera moins efficace que si ça passe par mon travail. J'ai l'impression que vous faites tout pour qu'il y ait vraiment une dichotomie entre vous, votre privé, ça c'est vous, et ça regarde que vous, et puis parce que vous avez le sentiment que ça aide, donc
encore plus au fait que vous soyez crédible dans les rôles que vous jouez. Ah bah oui, moi en tant que spectateur, moins j'en sais sur un acteur, mieux je me porte, oui. Puis plus surtout, je vais apprécier son travail, il va y avoir du mystère et je vais croire en ses personnages. Quoi. Parce que dans la vie, je parle assez facilement, je suis pas du tout, je mène pas de double vie, je suis pas cachotier, je parle même un peu trop facilement et je retiens ça tout le temps parce que mais c'est par pragmatisme, hein, c'est parce que je pense à ma fonction d'acteur, je veux la préserver. Et je veux qu'on croit en mes personnages et que les éléments de ma vie personnelle ne viennent pas brouiller ça, quoi, brouiller ce lien avec le public. Optimiste ou pessimiste ? Je suis optimiste, mais je déteste l'angélisme, les euphémismes. Je vais essayer de trouver un troisième mot, isme. Ouais. Non, je déteste quand on se cache, quand on se cache la vérité, quand on se cache la cruauté. Réaliste. Voilà. J'aime pas qu'on cache les choses. Mais ces choses-là ne m'abattent pas. Je reste. Non, je pense que je suis un optimiste. Ouais. On fait une pause avec téléphone, un autre monde, et on retrouve Laurent Lafitte sur RFM. Laurent Lafitte, merci d'avoir passé une heure en notre compagnie. Merci à vous. J'espère merci qu'on vous a donné envie d'aller voir L'Origine du Monde. Franchement, vous allez rire et en même temps, ça réfléchit quand même après. Après coup, il y a un deuxième effet. Oui. Mais c'est avant tout fait pour rire. Et moi, mon obsession, c'était que ce soit le plus drôle possible. Et je vais être franc, il y a des moments où vraiment on débarre, comme on dit. Quoi. Ah, vraiment. Il y a des moments où c'est vraiment très, 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 tant très. Mieux, je pense que c'est le meilleur argument. Ouais. Bonne fin de journée et bonne semaine à l'écoute d'RFM.